Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport pour ce deuxième numéro de la saison. On garde la recette café, la renommée de ce talk. Il y aura comme d'habitude des analyses, des débats et des duels avec nos chroniqueurs. Ils sont 4-3 autour de cette table aujourd'hui à présentation. On commence à ma droite, on a réussi à l'avoir sur ce plateau juste avant les championnats du monde sur piste Masters. Il est en très grande forme physique, mais rassurez-vous, il ne va pas vous faire un striptease dans cette émission, ou pas, on ne sait pas. Le capitaine Yann Dujarrier, pistard au club de Vélizy 78, est bonsoir avec Michael. Nous. Comment allez-vous? Super. Vous êtes en forme? Vous êtes prêt? Bah, j'ai pas le choix. En pleine bourre, là, maintenant, prêt à partir. On vous sent un petit peu malade, non? Avec une non, je me protège. Je me protège pour ne rien attraper d'ici le week-end prochain. On est rassuré. On passe de l'autre côté. On ne le présente plus. La légende, le mythe, notre super chroniqueur spécialiste rugby, coach Jean-Mis, ex-entraîneur de plaisir, nous fait l'honneur de venir dans cette émission en pleine Coupe du Monde de rugby. Bonjour Jean. Bonjour Michael. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Pleine forme. Alors moi, je suis comme Yann, je me protège aussi. Vous protégez? Oui, toujours. Une cravate? Attention. Toujours. Toujours une protection. On termine de l'autre côté. Il est rugbyman, il nous vient tout droit de Versailles. Il a laissé les crampons à la maison pour venir avec un magnifique costume. Le gladiateur versaillais Pierre Chevalier sera avec nous pendant une heure. Salut Mickaël, salut à tous. Comment allez-vous Pierre? Eh bien, comme mes camarades, en pleine forme. Oui, pareil, on voit que vous êtes habillé chaudement, en pleine forme, c'est l'automne. Et puis en pleine forme au pluriel, c'est ça. Alors avant de passer au programme de l'émission, la Ryder Cup 2018 qui s'est déroulée à Saint-Quentin-en-Yvelines a vu naître une idylle sportive, celle de Tommy Fleetwood, le Britannique, et Francesco Molinari, l'Italien. Tous les deux, ils ont remporté leurs 4 matchs en double sur le golf national. Résultat inédit lors d'une Ryder Cup, ce qui leur a valu le surnom de Mollywood. Depuis, les deux joueurs sont inséparables. Regardez. What did you dream about? Le golf national. What about you? Whistling strikes. Une réaction autour de cette table? J'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup? Bah oui, bien sûr, parce que c'est un sport qui est très très sérieux, qui peut paraître très sérieux, et justement avoir ce côté déconnant et décalé en dehors du terrain, c'est voilà, ça montre bien que on peut aussi s'amuser et prendre du plaisir en jouant au golf. Moi, j'adhère. Ouais. Jean, vous adhérez vous également? Oui, c'est très bien. En espérant qu'il fasse pas un 19e trou, hein, quand même, hein. Mais sinon, oui, c'est très bien. Ouais, ils sont très amis en tout cas. Ouais. J'ai eu la chance l'année dernière d'être au plus près de l'événement et de ces deux phénomènes. C'est-à-dire qu'en plus du côté sportif où ils ont masterisé la Ryder Cup en 2018. La Ryder Cup 2018 où ils ont tout cassé en double. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont été absolument impériaux. En plus, ils avaient ce côté ambiance et que les fans européens, britanniques notamment, ont transformé en slogan. Donc les deux chansons pendant l'événement de Molly Molly et de Toby Toby et plus le Mollywood, c'est devenu une vraie belle histoire, une vraie belle idylle. Là, ils poussent le tube de la Ryder Cup, on peut le dire. Le tube, c'est complètement vrai, complètement ça. Ils poussent le concept jusqu'au bout. Un an après, c'était en guise de clin d'œil. C'est vraiment sympa, comme disent mes camarades, c'est vraiment sympa de dépoussiérer un petit peu le golf et puis de montrer que ça peut être fun. Ça vous surprend qu'on parle encore du golf national un an après? On n'a pas oublié. Enfin, nous, on ne peut pas oublier. Nous, on passe devant régulièrement. Au niveau international, finalement. Oui, bien sûr. Mais, et puis, ces grands événements, demander à un athlète qui participe aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui va lui rester ad vitam aeternam. Et en plus, si ça se termine bien, une médaille sur un grand événement, vous ne l'oubliez jamais. Jamais. Jean, pareil, non, vous ne l'avez pas oublié? Non. Puis maintenant, j'irai même plus loin. Hein. Le golf national, il est associé à la Ryder Cup. Là, aujourd'hui, dans nos têtes, encore un an après, on voit golf national, Ryder Cup. C'était tellement un beau championnat.
Et puis de toute façon, c'est le principe même de la Ryder Cup, c'est tous les deux ans. Et tous les quatre ans en Europe. Donc là, on a cette période de communication intermédiaire où on est entre la Ryder Cup de 2018 France et la prochaine à Whistler's Right aux États-Unis qui sera en 2020. Donc on a ce petit clin d'œil. En plus, ça s'était bien qui passé. Ça ne sera pas très loin de Milwaukee hein, pour les adeptes de géographie pour l'Europe américaine. Et donc, comme dit Jean, pour le golf national, qui est maintenant clairement identifié comme une Ryder Cup venue, c'est-à-dire un parcours qui a accueilli la Ryder Cup. Donc c'est bien de s'en souvenir, et c'est normal de s'en souvenir, vu le niveau de l'événement l'année dernière. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler des championnats du monde sur piste 2022 qui seront organisés à Saint-Quentin en Yvelines. Nous ferons également un coup de projecteur sur l'excellent début de saison du club de football de Versailles. L'équipe a remporté tous ses matchs. Mais avant de développer ces thèmes, on va continuer à parler de golf. On continue donc par du golf. L'Open de France se déroulera du 17 au 20 octobre sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, une date inhabituelle attribuée par l'European Tour, l'organisateur. Mais cette date va bientôt changer. Le tournoi va retrouver la période estivale dès 2020. Le rendez-vous sera programmé du 2 au 5 juillet. Une bonne nouvelle selon le directeur technique national Christophe Mugnesa. On écoute sa réaction. On a travaillé avec le Tour européen pour faire en sorte que l'Open de France retrouve une date plus clémente dans le calendrier. Et on est effectivement ravis que dès 2020, l'Open se déroule de nouveau fin juin, début juillet. Ça nous semble une date plus propice pour attirer. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Mugnesa? La question sur ce thème, est-ce que c'est la date idéale? Oui ou non? Oui, non. Donc, pas de duel. Pierre Chevalier, vous êtes indécis. Ça dépend de quel point de vue on se place. Pour la partie spectacle, spectateur, oui, c'est une date idéale entre début juin et mi-juillet. Pour le côté sportif et le côté attrait des joueurs, là, pour le coup, plus des spectateurs, c'est discutable. Parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup de tournois en même temps. Si on compare, et il faudra le refaire, je pense, fin octobre, dans nos prochaines émissions, entre mi-octobre, la semaine prochaine, pour l'Open de France 2019 et celui de 2020 en juillet, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que de toute façon, sur tout ce qui est événementiel, réceptif, attrait des spectateurs, des nouveaux golfeurs, il vaut mieux que ce soit en été et que la météo soit clémente. Le golf, c'est juste une affaire de météo. Ça peut être une affaire de météo. C'est quand même à 95% en extérieur. Je mets les 5% sur la partie réceptive et événementielle. Mais sinon, c'est que en extérieur pour suivre les parties, pour voir les joueurs. Donc c'est mieux effectivement quand il n'y a pas trop de vent, pas trop de pluie, pas trop de froid. Après, c'est moins bien peut-être pour le spectacle et le côté sportif. Mais en tout cas, retrouver une date en entrée d'été, c'est plutôt une bonne chose pour l'Open national. Jean, c'est très bien. C'est très très bien ce qu'elle a dit. Non, bien sûr, parce qu'on en a parlé déjà sur ce plateau et on a vu que cette date au mois d'octobre, déjà premièrement, ça attire pas beaucoup de grands joueurs, donc c'est quand même un petit flop. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et je pense que sur une autre date comme elle était avant, sur cette date 2020 début juillet, ce sera beaucoup plus propice à faire venir des joueurs d'un meilleur niveau, et c'est surtout, à mon avis, au niveau des spectateurs. Et c'était une date qui ne plaisait pas forcément au directeur technique national Christophe Mugnesa. Il a accepté cette date, mais il n'était pas très fan. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur cette période, voilà. Avec beaucoup de tournois à droite et à gauche. Mais à choisir entre la période d'octobre ou celle début juillet, il n'y a pas photo non plus, à mon avis. Je pense que Christophe Mugnesa part du principe qu'il vaut mieux avoir plus de spectateurs et plus d'affluence, que ce soit les entreprises ou autres qui feront des événements à ce moment-là, sur une date qui n'est peut-être sportivement pas idéale,
que de le voir déclassé en octobre et en plein automne où c'est un peu moins agréable. Ce qu'il faut dire, c'est effectivement que la concurrence sera assez rude puisqu'il y a en même temps le World Golf Championship qui se joue aux États-Unis à Saint Jude, et c'est lui qui va truster une bourse à 10,5 millions de dollars. Donc là, on joue pas dans la même cour. C'était quand le cas. On sait que l'Open de France sera cette année aux alentours de 2 millions, ouais, un peu moins même, 3 un peu, millions, un peu moins. Et on n'a pas les chiffres. C'était le cas quand il était Rolex Series avec H&A comme sponsor. Maintenant, en termes de concurrence et d'affluence, les joueurs, le top 50 mondial, plus les joueurs de Ryder Cup, plus ceux de l'Asian Tour, vont choisir le WGC. Et bon, on aura sûrement peut-être encore quelques joueurs qui ne seront pas dans le top 50 ou la plupart des Français aussi qui seront avec nous, sauf s'ils sont dans le top 50, ce qu'on leur souhaite. Du coup, ça veut dire qu'on aura le même plateau équivalent à celui qu'on peut avoir cette année au mois d'octobre. De toute façon, Christophe Mounieza espère quand même que des vainqueurs de Grand Chelem seront en dehors du top 50 et pourront jouer l'Open de France. Ce ne sera pas moins bien que ce qu'on aura au mois d'octobre cette année. Donc, on aura des meilleures conditions climatiques et en plus, certainement un meilleur plateau. Donc, de toute façon, non, ça ne pourrait être que mieux pour... voilà. Et du coup, plus de spectateurs. De toute façon... Le cyclocross se déroule au mois de décembre, au mois de janvier, et c'est pas pour autant que les spectateurs ne viennent pas voir. Après, c'est une culture, mais voilà, ça veut dire que quand on a l'habitude, et le plateau fait que les gens se déplacent. Vous pensez qu'il faut déplacer cette date à quel moment ? Septembre ? On parlait de septembre il y a deux ans. De plus en plus, mais l'Open tel sous sa configuration actuelle est plutôt sur la deuxième quinzaine de juin. C'est-à-dire plutôt fin juin et ça touche vraiment tout début juillet en fonction du calendrier et du week-end qui suit. Septembre pourrait être une date pas mal, un bon compromis entre les conditions climatiques et puis les dates concurrentes. Début sur septembre le circuit mondial. Ou fin septembre comme plutôt, la Ryder Cup. Plutôt début. Jean, vous êtes d'accord ? Septembre. Si Pierre le dit, à mon avis, c'est que c'est bon. Juste après la rentrée des classes, pour faire venir les enfants. Au début des saisons. Voilà. Et le fait que ça ne soit pas un Rolex Series, forcément, ça pénalise la dotation plus l'attractivité au niveau des joueurs. C'est-à-dire sur la dotation elle-même et sur le fait que certains grands joueurs, notamment du top 50, top 30, fassent des choix en fonction des dotations et en fonction justement des points que ça apporte au niveau mondial sur les circuits FedEx par exemple. Dernière question sur cette thématique, est-ce que ce déplacement de date peut attirer un nouveau gros sponsor comme H&A, le groupe chinois qui avait signé avant la Ryder Cup ? Il y a peut-être plus de chances sur la partie réceptive événementielle pour les entreprises notamment, avec une possibilité de peut-être plus propice pour justement avoir de bonnes conditions climatiques et de pouvoir attirer un certain public, néophyte ou connaisseur, qui sera vraisemblablement plus difficile à attirer en octobre. En tout cas, Pierre Chevalier, on vous retrouvera sur cet Open de France de golf. J'y serai. Vous y serez, quoi qu'il arrive. En tout cas, le rendez-vous est programmé cette année du 17 au 20 octobre. On va maintenant parler cyclisme. La nouvelle est tombée. Fin à septembre, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir pour la deuxième fois de son histoire après 2015 les championnats du monde sur piste. Le comité directeur de l'Union cycliste internationale a annoncé cette nouvelle en Grande-Bretagne. La compétition devrait être organisée en automne et non plus à la fin de l'hiver comme précédemment. En 2015, plus de 20 000 spectateurs s'étaient rendus au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On écoute la réaction du directeur technique national, Christophe Manin. Elle me ravit, hein. C'est toujours... très important d'avoir un championnat à la maison, donc c'est une chance pour les équipes de France et puis c'est une bonne occasion pour la Fédération française de cyclisme de démontrer son savoir-faire en matière d'organisation. Jean, une réaction par rapport à cette attribution? C'est très bien, on peut pas bouder quand même qu'on nous donne un championnat du monde à organiser dans quelques disciplines que ce soit, et on a ce vélodrome qui est quand même un bel outil. Et si on nous redonne la possibilité d'organiser ce championnat du monde, c'est que 2015 a été, je ne me souviens pas en toute honnêteté des championnats du monde de 2015. Mais ça, je suis déçu, Jean. Ouais, je sais, j'ai eu une perte de mémoire. J'ai eu une perte de mémoire à un moment donné, mais c'est... carton bleu. C'est que ça, voilà, j'ai fait l'objet de carton bleu. Si on nous redonne les championnats, c'est qu'en 2015, ça doit être une réussite, forcément. Mais c'est un tel bel outil, ce vélodrome, que je me réjouis qu'on accueille les championnats du monde. Pierre,
On se réjouit justement tous de concert de voir un événement cycliste de classe mondiale venir ou revenir au Vélodrome. On a souvent parlé des autres événements qui tenaient place au Vélodrome de Saint-Quentin pour pouvoir ne pas bouder notre plaisir quand c'est un bel événement et justement au niveau mondial pour le cyclisme sur piste au Vélodrome. Yann Dujarrier, vous qui êtes notre spécialiste cyclisme, est-ce que c'est une surprise ? Non. Non, ce n'est pas une surprise, puisque je vous l'avais annoncé, comme on avait les Jeux en 2024, de toute façon, nous aurions une édition des championnats du monde, soit en 2023, soit en 2022. J'ai appris que 2023 avait déjà été attribué, donc il ne restait que 2022 pour nous. Donc c'est tant mieux. C'est très très bien qu'on puisse à nouveau organiser cette belle épreuve qui va à nouveau nous remplir ce vélodrome très, très facilement. C'était vraiment obligatoire d'avoir des championnats du monde avant les Jeux Olympiques ? Les dernières éditions, il y a régulièrement, alors soit une épreuve pré-olympique, mais comme aujourd'hui le calendrier de piste est plutôt à tendance réductrice, voilà la raison pour laquelle on allait avoir un championnat du monde. Il y a de moins en moins de Coupes du Monde, on essaie de réduire les coûts au maximum. Donc voilà, faire un championnat du monde sur le vélodrome une ou deux saisons avant, voilà, c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs de plus en plus et qui va permettre à tout le monde de faire une belle répétition 2 ans avant les Jeux. La question sur ce thème, est-ce que cette compétition va préparer les Français pour les JO ? Oui, vous êtes unanime. Jean, vous étiez le premier à dégainer. Forcément. Bah, Yann l'a dit, donc c'est vrai qu'on a les Jeux Olympiques en 2024, 2022, c'est, on va dire, une belle répétition pour nos sportifs français avant le grand événement que sont les Jeux Olympiques. Et, nous perdons Yann Dujarrier juste on avant ces championnats du monde Masters. On le perd, c'est pas de l'eau, c'est peut-être pas de l'eau qu'il y a dans le verre. Avec modération, bien sûr. Et donc voilà, donc, c'est une très bonne chose pour nous et pour nos sportifs, ça, c'est indéniable. Mais est-ce qu'on peut comparer les JO et des championnats du monde ? Je donne la parole à Pierre, je vous laisse récupérer à Yann. Réponse non, mais on a la possibilité de voir les jeunes et les moins jeunes se montrer, sortir du bois à deux ans de l'échéance, sur une visibilité mondiale, donc vraiment le Graal, et de pouvoir se tester grandeur nature à la piste elle-même, à la compétition, parce qu'il faut souhaiter aussi que là il y ait du monde et que ça pousse derrière, sur le territoire national, 2 ans avant la plus belle échéance qui soit sur l'Olympisme. Donc, c'est une très bonne occasion pour les uns et les autres de se montrer et de se tester à 2 ans de l'échéance, même si rien n'est joué. Mais... Yann Dujarrier, vous avez récupéré, c'est bon ? Oui, c'est bon, je suis prêt. Parfait. Non, on ne peut pas du tout comparer un championnat du monde aux Jeux Olympiques et à un titre olympique. D'une, la pression n'est pas la même. Le monde, le monde du sport et le monde en général regarde les jeux, quelles que soient les disciplines. C'est vrai que ça attire beaucoup plus de visibilité. Et deuxième chose, le format olympique est complètement différent du format championnat du monde. On a plus d'épreuves sur un championnat du monde, on a moins d'épreuves sur les Jeux olympiques, et on a moins de participants aussi sur les Jeux olympiques. Les tournois sont beaucoup plus restreints. Par exemple, sur une poursuite par équipe, il y a autant d'équipes qui s'inscrivent à partir du moment où ils ont marqué des points précédemment. Là, les quotas ne se réduisent qu'à 8 équipes. C'est-à-dire que directement, on arrive sur des phases finales par rapport à un championnat du monde. Donc voilà, c'est vraiment des... C'est des grosses spécificités, et en effet il faut pouvoir les intégrer et s'y préparer en amont. Alors on les prépare pas sur les championnats du monde, on les prépare pas sur les coupes du monde, c'est se projeter dans la préparation à une course olympique. Mais l'attente n'est pas moins grande sur des championnats du monde, Jean, finalement, que sur les Jeux olympiques? Du coup, les athlètes ne seront pas forcément dans les mêmes conditions qu'aux JO? Les JO, ça reste les JO, c'est sûr. C'est, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est le championnat suprême. C'est... On en parlera moins dans les médias, par exemple. Le championnat du monde, il est certain qu'à part si un de nos sportifs français est champion du monde, sinon on n'en parlera pas. À part s'il y a un podium, mais il y aura très peu de visibilité sur ce championnat du monde. Malheureusement, d'ailleurs. Hein. Malheureusement. Mais
Alors que les Jeux Olympiques, c'est regardé par le monde entier. Donc forcément, la visibilité n'est pas du tout la même. Et la préparation n'est pas la même. Moi, sportivement, je connais pas la préparation de ces sportifs. Mais sportivement, je ne pense pas quand même qu'un athlète de haut niveau se prépare par rapport à la visibilité que peut avoir le monde, les téléspectateurs et les spectateurs. Hein. Je pense que c'est sa performance sportive avant tout. Et que c'est quand même, les championnats du monde, c'est quand même une épreuve mondiale où il va rencontrer sensiblement les mêmes qu'il rencontrera au cours des Jeux Olympiques s'il fait les deux, 2022-2024. Donc pour moi, la préparation, c'est une préparation sportive, uniquement sportive, et la concentration, pour moi, c'est une excellente répétition parce que, encore une fois, je le répète, il va concourir contre quasiment les mêmes qu'il rencontrera 2 ans après. Donc après c'est simplement plus au dessus, mais pour moi le côté sportif c'est une belle préparation et en plus sur la piste, donc très bien. Pierre Chevalier, on peut dire que c'est un peu la Ligue 1, c'est les JO, la Ligue 2, les championnats du monde. Ouais, je pense que c'est pas aussi net que ça. Un titre reste un titre. Jean l'a finement observé, c'est un palmarès qu'on va chercher quand même sur des championnats du monde. Certes, l'exposition médiatique n'est pas à ce point mondiale, paradoxalement, que les Jeux Olympiques, mais je pense que la préparation est quasiment analogue, parce que les sportifs sont des compétiteurs, ils s'alignent sur une compétition mondiale 2 ans avant la compétition suprême, certes, mais ça reste un titre. Donc je pense que il faut pas forcément dévaloriser le championnat du monde, si ce n'est peut-être sur l'angle médiatique et la couverture. Mais au niveau mental, est-ce que ça change ou pas, Yann Dujarrier, une compétition comme les Jeux Olympiques par rapport à des championnats du monde? Le conditionnement. Il y a une plus grosse préparation peut-être ? Non, il y a juste un conditionnement qui est différent. Quand vous êtes sur les Jeux Olympiques, vous êtes au village olympique, vous êtes avec tous les autres sportifs de toutes les disciplines présentes. Quand vous êtes sur un championnat du monde, vous êtes entre cyclistes, quoi. Et donc, du coup, c'est pas la même ambiance. C'est juste une ambiance qui diffère. Je voulais juste revenir sur un point que Pierre venait de donner. Un titre de champion du monde dans le cyclisme, il a une saveur toute particulière. Vous portez ce maillot arc-en-ciel et vous le portez pendant un an sur la discipline que vous avez gagnée, cyclo-cross, route, piste, alors vitesse, poursuite, etc. Et vous avez la chance de pouvoir le porter. Et donc à n'importe quel moment où vous allez courir sur votre discipline, on va vous reconnaître au premier coup d'œil parce que vous allez porter ce maillot distinctif, comme le maillot jaune sur le Tour de France. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Chose que vous n'avez pas quand vous êtes champion olympique. Quand vous êtes champion olympique, vous n'avez pas de maillot avec les anneaux olympiques. Est-ce que les anneaux, ça gêne pour faire le vélo ? Non. donc voilà, faut pas dénigrer un titre de champion du monde, bien loin de là, mais c'est vrai que la résonance olympique n'est pas la même, c'est tout. Dernière question sur cette thématique, est-ce qu'il faudra obligatoirement mettre les athlètes de 2022 qui seront présents au championnat du monde en 2024 à Paris ? S'ils sont au niveau. S'ils sont sélectionnés, je ne sais pas comment se font les sélections des équipes nationales, mais en tout cas, en 2 ans, il peut se passer pas mal de choses. Hein. Il peut y avoir des éclosions comme il peut y avoir des explosions. La vérité de 2022 ne sera pas celle de 2024, c'est évident, même si... On n'aura pas à 100% la même équipe. Non, parce que... Alors, 2 ans, c'est beaucoup. Hein. Sur le sprint, on a la chance... Enfin, ouais, on a la chance. 2024, c'est dans 6 ans. On a des Mathilde Gros, par exemple. Mathilde, mais non, pour moi, là, je me dis un Ryan Hellal. Ou Ryan Hellal, les gars. Voilà, un Ryan Hellal sur 2024 pourrait vraiment exploser. Est-ce qu'il sera déjà prêt pour 2022? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, on a une génération chez les sprinteurs entre Ryan Hellal, Sébastien Vigier, Mathilde Gros, qui va être dans ces années où il devrait vraiment tout truster si les nations étrangères n'ont pas sorti d'autres... J'ai dit quoi ? Est-ce qu'on peut remonter un petit peu la phrase ? Pourquoi j'ai dit quoi ? Dans 6 ans, en 2024. Eh ben oui, c'est ça.
On est en 2022, on est en 2020 demain, ça y est, vous jouez sur les mots. Mais ça va passer. Et est-ce qu'il faudra obligatoirement mettre, gagner 7 médailles, dont 5 en or, faire aussi bien que lors des championnats du monde de 2015? Par contre, en effet, je pense que nos sportifs français seront vraiment attendus sur les JO sur les championnats du monde de Saint-Quentin en 2022, parce que c'est à la maison. Et voilà, les derniers championnats du monde qui s'étaient déroulés ici avaient été très, très florissants pour les Français, et ce sont les derniers où on a eu autant de titres. Donc oui, bien sûr que nos athlètes vont être attendus en 2022. On passe maintenant à notre page résultats. On va parler à football dans cette page résultats. Versailles-Torcy, c'était l'une des affiches de cette sixième journée du championnat de National 3. Après une première période équilibrée, ponctuée par un triste 0-0, les Versaillais sont plus entreprenants. Au retour des vestiaires, ils arrivent à trouver la faille dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé de Benjamin Louvet, 6 fois buteur en 6 matchs depuis le début de la saison. Versailles parachève sa victoire grâce à Johan Akassou, score final 3-0. On écoute le buteur au micro de TV78. On a eu l'habitude, nous, de toujours bien commencer fort et à réussir à marquer dès le début. Là, on est tombé contre une vraiment une bonne équipe, bien en place. On a su être patient et franchement, sur la deuxième mi-temps, à mettre un petit coup de collier pour pouvoir accélérer. On a eu un petit peu de chance aussi, faut pas se mentir, mais ça fait partie du jeu aussi. Avec 6 victoires en 6 matchs, 17 buts marqués et un seul but encaissé, Versailles réalise un début de saison presque parfait, des résultats qui permettent aux joueurs de la Cité Royale de faire cavalier seul en tête avec déjà 5 points d'avance sur le Paris FC. On écoute le coach versaillais. État d'esprit, forcément, parce que pour pouvoir enchaîner autant de matchs en étant solide et en refusant la défaite, c'est que des choses se passent entre les joueurs. L'état d'esprit, le fait d'avoir un objectif commun et de réciter une partition sur le terrain qui nous permet d'avoir ce résultat et cette longévité. La question sur ce thème, sont-ils déjà champions? Oui ou non? 5 points d'avance sur le deuxième. Pierre Chevalier. Mais non. Vous qui avez connu ça avec Versailles l'année dernière. Voilà, c'est donc justement. Une ville sportive. Mais en rugby, je tiens à le préciser. Une ville sportive qui nous tient à cœur, bien sûr. Non, une saison, c'est, on le répète souvent, une saison, c'est très très long. Alors, vaut mieux la démarrer par ce type de dynamique. Avec X victoires et des points d'avance, ça c'est sûr, ça permet de voir venir. Tout dépend après de savoir si les footballeurs de Versailles gardent l'appétit qui est venu en mangeant et gardent justement cet appétit jusqu'au bout pour écraser tout sur leur passage et marcher un petit peu sur l'eau et sur cette poule. Mais on voit justement les résultats de Versailles. Hein. On n'est vraiment pas à l'abri. 2-0, 3-0, 2-0, 3-0, 4-1, bon, 3-0, là, un seul but encaissé en 6 matchs. Ouais, c'est vrai que là, les scores sont assez éloquents pour Versailles, mais le faux pas est possible. Il faut guetter le relâchement et surtout ne pas se voir trop beau ou arriver trop vite. Quoi. Jean, ben oui, vous n'êtes pas très optimiste pour Versailles. Non, mais là ils sont vraiment partis comme des V2. Donc là, 6 matchs, 6 victoires, à chaque fois il y a 3 buts d'écart quasiment. C'est pas chaque fois, je pense à chaque fois. Au minimum 2 buts, un seul but encaissé. Donc là, ils sont dans une spirale de victoires. Ils emmagasinent de la confiance, mais on n'est que 6 journées. Le problème, c'est que là maintenant, Versailles va être l'équipe à battre tout le restant de la saison. Donc ils vont partir archi favoris. Et tous les dimanches, ils vont avoir à affronter les équipes qui vont vouloir sortir leur meilleur match de la saison pour battre l'équipe imbattable à l'heure actuelle. Donc là, ce statut de favori avant la fin du championnat, c'est quand même assez difficile à garder, à conserver. Pour leur permettre d'évoluer, de continuer comme ça sur leur lancée. Donc, ne soyons pas trop confiants. Un excès de confiance peut leur jouer des tours. Ils font un excellent début de saison, qu'ils continuent dans cette dynamique, mais qu'ils soient très attentifs et pour le restant. Quoi. Et ils ne font pas forcément des matchs parfaits hein, chaque fois. Par exemple, contre Torcy, 0-0 à la mi-temps. Ils gagnent 3-0 finalement. Est-ce que voilà, ah oui, certains matchs peuvent basculer en leur faveur en ce début de championnat, mais peuvent basculer dans l'autre sens juste après?
C'est ce qui fait la différence entre le champion et le deuxième, hein, c'est tout. C'est justement le petit côté chance qui fait que les matchs basculent en votre faveur. Mais il y a quand même 3-0. 0-0, voilà, c'est ce que j'allais dire. 0-0 à la mi-temps et 3-0 au final. Un match qui bascule en sa faveur, c'est quand il y a 1-1 à la 85e et puis on marque le 2-1 à la 89e. Voilà, ça c'est un match qui bascule en votre faveur. Quand vous en mettez 3 sur la deuxième mi-temps, la première mi-temps. On a vu les buts un petit peu chanceux. La première mi-temps. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une domination, que le collectif est en place, qu'il y a une domination. Les buts sont peut-être chanceux, mais ils sont quand même. Ils attaquent le camp adverse. Ils dominent. Donc, on ne peut pas. C'est pas. Derrière, Torcy, c'est sauf qu'il peut. Là, notamment sur le troisième but, c'est effectivement. Celui-là, il est pas chanceux, celui-là. Un peu plus. Ouais, bien sûr, il ne reviendrait pas, mais ils sont trois autour du ballon au moment où le défenseur il relance. Et dernier. Et celui-là, c'est magnifique, ça passe en dessous du gardien, elle est donnée au bon moment. Un petit peu chanceux. Mais le facteur chance est important, ça c'est sûr, et ça fait partie des paramètres d'une saison de champion, vraiment. Quand sur certains matchs un petit peu hachés, que ça bascule en notre faveur, mais je suis d'accord avec Yann. Basculer en notre faveur en collant 3-0, c'est plutôt confort. Et ça ne fait pas que 6 matchs hein, qui ne perdent pas, en tout cas qui gagnent. Ça fait 20 matchs, une vingtaine de matchs d'affilée qui n'ont pas perdu. Depuis la saison dernière. C'est une très belle dynamique. Par rapport aux 6 matchs, c'est quand même un quart du championnat. Hein. Vu que c'est des championnats à 14 équipes, ça veut dire 13 matchs aller, 13 matchs retour. Quand on en a fait 6, on a déjà fait un quart du championnat. Donc je trouve que voilà, ils ont quand même mis un... C'est pour vous mettre les maths de tout à l'heure. Ils ont quand même 26 journées, 4 fois 6, 24. 6 fois 4, 26. Voilà. Après 9 plus 6, 14. 6 fois 4, 26. Bertrand Renard, vous qui êtes coach, Jean, retrouvons nos esprits. Vous qui êtes coach, comment on doit gérer du coup la suite du championnat? Ah ben pour moi, je l'ai dit. C'est-à-dire que là, ils doivent le gérer comment? Ils ont le statut de favori. Ils ont le statut de l'équipe à battre. Ils doivent refroidir un petit peu les têtes. C'est à lui justement, oui, à ce que son groupe reste. Après, on les sent pas forcément. On les sent concentrés quand même dans les interviews. Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais là, ils ont une belle lucidité, une belle humilité. Et là, ils se prennent pas pour des stars, non. Ils sont, pour moi, le groupe est bien en place. Ensuite, vous dites 0-0 à la mi-temps, 3-0 à la fin. Un match de foot, c'est 90 minutes. Hein. Donc c'est à la fin du bal qu'on paie l'orchestre. Hein. Donc c'est le résultat final qui compte. 3-0, il n'y a pas photo. Et il y a du bol dans cette poule. Hein. Donc il y a sûrement du répondant à apporter dans la suite de la saison. Donc c'est là qu'il ne faut pas qu'il se relâche et qu'il continue à marcher sur l'eau. Il est certain que c'est plus facile dans ce sens-là, quand on a cette dynamique de victoire, que le contraire. Hein. Mieux ça. Pour eux, le plus dur va être de marquer le premier but sur chaque match. Hein. Une fois qu'ils auront mis le premier but, l'adversaire va prendre un gros coup au moral et derrière, ce sera déjà match gagné quasiment à chaque fois. Dernière question sur cette thématique. Versailles va affronter Courcouronnes en Coupe de France ce dimanche 13 octobre. Une victoire et une qualification pour le 6e tour permettrait de bonifier encore un petit peu plus ce début de championnat. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'il faut faire un beau parcours en Coupe de France pour valider ce bon début de championnat? Yann Dujarrier. Évidemment. La Coupe de France pour les... Il ne faut pas le laisser de côté en non, se disant... Pas du tout. Mais pas du on tout va parce finir que premier. De toute façon, faut économiser notre énergie. C'est une émulation positive, vous savez. Enfin, voilà, on le dit toujours, hein, cette spirale. Et si en plus de faire un beau championnat, ils arrivent à aller perdre contre une belle équipe de pros, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, quoi. L'année dernière, ils avaient perdu au 8e tour contre Lens, l'équipe de Ligue 2. À Montboron, 4-2. Une belle affiche, c'était une très belle et affiche. Et ils menaient 2-1 à un moment. Pierre Chevalier, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Il faut tant qu'à faire. Là, ils ont a priori un bon groupe, un bon état d'esprit, le facteur chance qu'il faut, un entraîneur qui est bien concentré et ça dure déjà depuis la saison dernière avec la belle affiche que vous citez. Donc tant qu'à faire, courons plusieurs lièvres à la fois et ça pourra justement donner de belles surprises. Après, j'apporterai juste un tout petit bémol. Je ne connais pas l'effectif dont il dispose. Il faut faire quand même attention aux blessés et à multiplier les journées de championnat et en plus de la coupe.
attention quand même qu'ils ne fassent pas trop de. Ils sont déjà au 6e tour. L'année dernière, ils se sont fait sortir au 8e tour en rencontrant une Ligue 2. Donc, ils sont au 6e tour s'ils gagnent. L'intensité est plus grande, il y a plus de risques de blesser. Donc attention. Il faut jouer stratégique pour Youssef Chibich. Il y en a marre, cette prudence. On souhaite bon courage en tout cas à Versailles pour la suite du championnat. On passe à notre page débat. On continue à parler de football et plus précisément de Vinsky. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un youtubeur ultra connu dans le monde du ballon rond. Il est originaire de Buchelet, dans les Yvelines. Ce sportif a notamment fait des vidéos avec Florian Thauvin, Cristiano Ronaldo, encore Sergio Ramos. Rien que ça. Il a également fait des vidéos en réalisant des défis, mais depuis la rentrée, Vinsky s'est lancé justement un nouveau défi, celui de créer une équipe de football dans sa ville baptisée Vinsky FC. Il a fait une vidéo pour expliquer ce choix. Dans les Yvelines, dans le 78, en région parisienne du coup. Alors pourquoi ? Tu as demandé pourquoi 78 ? Parce que moi là-bas, je suis un mec qui vient de Buchelet. Alors vous allez dire, c'est quoi Buchelet ? Voilà, c'est pas connu. C'est un petit village. J'aime pas combien on est à Buchelet. 3167 habitants en 2016. Voilà. C'est là où j'ai grandi. Voilà, c'est là où j'étais en école primaire. Je suis allé dans une ville à côté qui s'appelle Magnanville au collège et au lycée. Mais en région parisienne, tous les terrains sont utilisés par des clubs, des associations, etc. Et c'est très compliqué de trouver un créneau. Très 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 compliqué. J'ai contacté Monsieur Martinez, qui est le maire de Buchelet. Je lui ai proposé le projet. Il a adoré, il a kiffé le projet, il a envie de soutenir à fond notre initiative. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment redonné du baume au cœur, parce que ça faisait des semaines que j'essayais de trouver un terrain et que j'avais des réponses négatives. Et le problème, c'est que à Buchelet, il n'y a pas de terrain de foot. Donc là, j'étais un petit peu décomposé comme il m'a dit ça. Je me suis dit, mais en fait, là, tu comprends pas ce que je veux dire. Il m'a dit, t'inquiète pas, Vinsky, déjà, j'ai un projet sur le long terme où j'ai envie de créer un terrain de foot à Buchelet. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous montrerai concrètement les terrains, parce que bon, là, je suis dans mon studio. Mais en attendant, on va trouver des villes qui peuvent vous accueillir. En attendant, nous évoluerons donc à Mantes-la-Jolie, qui est une ville juste à côté de Buchelet. Bon, là, c'est vraiment une ville pour le coup, s'il y a beaucoup plus d'habitants, dans un complexe sportif qui s'appelle la Butte Verte. On aura un créneau hebdomadaire d'entraînement le dimanche. Les matchs, bah, des fois à domicile, ça sera du coup à Mantes-la-Jolie, et à l'extérieur, ça sera dans la ville bah, qu'on affrontera. Le FC Vinsky espère faire monter le club en Ligue 1. Vinsky, en tout cas, espère faire monter le club en Ligue 1. Le FC Vinsky, dans 13 ans. 13 ans exactement. Ce n'est pas forcément gagné pour son premier match de son histoire. Le FC Vinsky s'est incliné 4-2 sur la pelouse de Mantes Olympique, du Mantes Olympique. Alors, une petite réaction. 13 ans en Ligue 1, c'est possible. c'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Ça donne un éclairage particulier à ces youtubeurs qui ont inventé des nouveaux métiers et qui désormais ont des nouveaux moyens. Ce que je trouve sympa, c'est qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent, malgré le succès. Alors, quoi qu'on puisse en penser hein, sur le moyen YouTube, mais il n'oublie pas d'où il vient et il a cette fibre du football et cette envie justement de rendre ce qu'il a connu à Buchelet dans les Yvelines. Ça me fait d'ailleurs penser qu'il a avec Petit Pont, qui est le journal des petits fans de footeux, de foot, il a réalisé le record du monde du Petit Pont. Et donc on l'a vu tout à l'heure. C'est avec plein d'enfants, sûrement du coin et d'Île-de-France. Et ça c'est avec ce magazine pour les jeunes amateurs de football. Bah voilà, il utilise son aura, il utilise sa visibilité pour pouvoir après lancer un certain nombre de projets. Et celui-là en est un particulièrement ambitieux, mais bon, on lui souhaite tout le succès que peut-être que Buchelet mérite pour le football. Jean, vous êtes convaincu ? La Ligue 1, 13 ans ? La Ligue 1, 13 ans. Allez, ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, sportivement quand même, c'est un petit peu présomptueux, on va dire. Sportivement, ce serait quand même dénigrer le côté sportif. C'est très difficile. Plus on monte dans le niveau, plus il est difficile de monter au niveau supérieur. Et ça, dans toutes les disciplines. Donc là, c'est quand même... Il n'a pas plutôt dit, je veux rencontrer une Ligue 1 dans 13 ans, non ? Coupe de France en Ligue 1. Il veut mettre le club. Et là, il est en 4... Il est en D6, exactement. D6, il commence forcément au niveau... Il m'a fait les comptes de la Ligue des Yvelines. L'objectif du club cette année, c'est le maintien. 6 plus 8, moins 1. Voilà. Ils sont tout en bas. Voilà, l'objectif du club, c'est le maintien. En dessous, c'est du handball, comme vous disiez.
Bon, ils ont perdu leur premier match, hein, on l'a vu, voilà, justement. C'est normal pour l'objectif. Mais les vidéos, en tout cas, cartonnent, hein, sur Internet et font plus de 300 000 vues. L'équipe est sponsorisée par un grand équipementier sportif et par un site de paris en ligne. On voit que ça attire les sponsors et le club pourrait avoir les moyens de ses ambitions. Hein. Donc la Ligue 1 dans 13 ans, c'est peut-être possible. Mais non, mais sauf que les moyens, c'est une chose. Mais il y a quand même, comme je dis, les moyens, il peut les avoir par rapport à son succès, par rapport à ses vidéos. Mais les moyens, c'est une chose. Le côté sportif en est une autre. C'était si facile. Si c'était qu'une question de moyens pour être en Ligue 1, il y aurait beaucoup plus de clubs qui le seraient. Donc. Ouais, mais bon, je pense que aujourd'hui, en effet, Paris galère pour gagner la Champions League, mais accéder à la Ligue 1, si on a les moyens, je pense que c'est pas quelque chose qui est utopique, on dirait. Utopique. Si, ouais, je pense pas que ce soit quelque chose d'utopique. Avec Kenny Jarrier, on apprend à compter. Apprenez. On réapprend des mots. Et non, voilà, ouais, j'aime bien cet effet de rêve et de se dire on va essayer. Il est motivé en tout cas. Mais voilà, et derrière, de son aura, il a déjà des partenaires. Combien de clubs régionaux galèrent pour pouvoir boucler les budgets? Ça va pas être le cas de cette commune. Ouais, d'accord, mais ils le vont budget, avoir. C'est une chose. Après, mais oui, mais sportif, quand on a le budget, bah oui, mais quand on a le budget, on peut aller prendre des joueurs à droite à gauche. Et si on a plus d'argent que les joueurs, les autres clubs alentour, on peut ramener. Et bien sûr qu'après, il faudra toujours faire. Ça va être au début, s'il a une grosse équipe avec des joueurs qui sont largement au-dessus du niveau, ça va monter très vite. Sauf qu'il va arriver très vite en national, par exemple, comme Versailles. Dès la nationale 3, ou là, il faudra quelques années. Voilà. Oui, non, mais déjà, non, mais même là, il sera loin encore de l'ADN quand même. Donc, également. Voilà, il sera encore loin de l'ADN. Et déjà, quand tu arrives dans un niveau comme la nationale 3, il te faut pas que les moyens. Il te faut le côté sportif. Donc, au-delà des moyens, justement, il va avoir un problème assez vite. C'est le problème des infrastructures et de sa ville. Et donc le choix justement de la municipalité ou de la ville qui va choisir, parce que si on fait l'état des lieux des plus petites équipes en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est quand même des villes de province qui sont d'une certaine taille ou d'une taille certaine. Guingamp, Auxerre, Dijon, Amiens, qui naviguent entre la Ligue 2 et la Ligue 1 en ce moment, c'est quand même des villes d'une bonne taille et d'une bonne structure. Là, je ne suis pas sûr que Buchelet ait les reins pour pouvoir justement accompagner ce projet. Après, il va y avoir beaucoup de gens qui vont suivre l'aventure. Et si les premières années se déroulent bien, ça peut vraiment faire effet boule de neige. Ça peut être vraiment une belle aventure et quelque chose de sympa. Il y a énormément de candidats, voilà, justement pour pouvoir accéder à cette équipe. Voilà. En sélection, tu veux dire. En sélection. Ouais. Ouais, donc, il peut y avoir une histoire, mais il peut y avoir un truc sympa dans le coin. Faire. C'était l'objectif. Et également, leur coin, ça peut être hyper large. À mon avis, ça peut être un très, très grand coin. Mais... Dernière question sur cette thématique. Est-ce que ça permet de parler à un autre public, finalement, de passer par YouTube quand on voit qu'il médiatise son équipe sur une saison? On peut peut-être connaître un petit peu les difficultés, les côtés positifs d'un club de foot, Jean? Est-ce que ça permet de communiquer avec les jeunes, tout simplement, d'attirer plus de monde vers le football? Ça, c'est sûr. Là, au niveau jeune, ça, c'est certain. C'est un plus. Hein. Sauf que le football et YouTube, on va dire, ont des dénominateurs communs. C'est-à-dire qu'on arrive, je pense, à parler assez facilement dans un sens et dans un autre, de football sur YouTube, de YouTube dans le football. Et ça permettra d'installer cette notoriété du football comme sport populaire numéro un, notamment en France. En revanche, ça peut intéresser certains qui s'étaient fourvoyés vers le gaming et le e-sport et de venir vraiment chausser les crampons et d'aller courir sur un terrain de foot. Pourquoi pas? Vous êtes plutôt optimiste? Plutôt optimiste, ouais. Je trouve l'initiative intéressante. On lui souhaite plein de succès. Elle sera semée d'embûches, mais on lui souhaite plein de succès. On suivra avec attention, en tout cas, le FC Vinsky. On tentera d'avoir Vinsky en plateau dans une émission. Ce n'est pas gagné, mais on va essayer. On va continuer cette émission en parlant une nouvelle fois du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Fin septembre, l'équipe de France de BMX Freestyle Flat s'est rendue dans la structure pour une démonstration. Objectif, présenter leur discipline à quelques jours des premiers championnats du monde en novembre prochain en Chine. On écoute justement l'un des membres de cette équipe de France, le très médiatique Mathias Dandois, star également des réseaux sociaux au micro de TV78.
J'en pense que j'avais jamais vu, c'est hyper impressionnant, c'est vachement plus pentu que ce que je pensais. Et les mecs, ils ont des cuisses encore plus grosses que ce que je pensais. Ils ont des grosses cuisses. Et puis voilà, voilà ce que j'en pense. C'est grand, c'est cool. Je crois qu'on a une initiation à la piste demain. Et il me tarde grave. Moi, je fais du vélo tout le temps dans Paris. Et du coup, là, ça va être un peu différent. Mais j'ai des toutes petites cuisses, moi. Je sais pas si ça va marcher. Yann, est-ce que vous avez des grosses cuisses ou... Non. Pas du tout. Non, je tourne sous ma gueule d'ailleurs, parce que je suis le sprinter, qui ressemble à un poursuiteur. Mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir des grosses cuisses. Je vais prendre l'exemple de Théo Boss, qui est à plus haut niveau et qui est champion du monde, qui a été champion du monde chez les élites, qui n'a pas des grosses cuisses. Voilà, on n'est pas, c'est pas une obligation. Mais les sprinteurs qu'il a pu voir au Vélodrome, nos sportifs à nous, en effet, Sébastien, Grégory, Beaugé, Sébastien Vigier, les pistards de l'équipe de France. Voilà, qu'il a vu rouler. En effet, eux, ils ont de la légende. Qu'il a été un peu surpris. Bien sûr. Alors, le BMX Freestyle Flat est une discipline de plus en plus plébiscitée pour intégrer les JO. Des rumeurs sur une participation de cette discipline à Paris en 2024. Enfl, on écoute Mathias Dandois. Les JO, c'est possible. Il y a ça parle pas mal dans les backstage. Et après, c'est pas à moi de prendre cette décision. Moi, si on me demande d'y aller et que j'arrive à me qualifier, j'irai avec plaisir pour représenter la France. Mais après, j'espère, ce serait cool. La question sur ce thème, le BMX Freestyle mérite-t-il sa place au JO? On parle de flat, hein, bien sûr. Oui ou non? Mérite-t-il? Oh, mérite-t-il? Oui, non. Jean, pourquoi? Bon. Pas de duel aujourd'hui, vous n'êtes pas, ah, oui, oui, vous êtes pas dans le duel. On est tous d'accord. Ouais, pourquoi? Il y a déjà le BMX normal, quoi. En discipline. La course de BMX. C'est rajouter finalement, non pas une discipline, mais une épreuve à une discipline qui existe déjà. Alors je pense qu'il y a d'autres disciplines qui pourraient prendre la place plutôt que rajouter une épreuve dans une discipline qui existe déjà aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout. Après, il y a plusieurs disciplines où c'est le cas. Par oui, exemple. Mais c'est plus, là, c'est technique, c'est vraiment technique. Hein. En 2020, justement, à Tokyo, il y aura le BMX Park qui sera intégré. Ah oui, mais vous rendez compte, le principe, c'est que ça se déroule dans un skatepark. Oui, non, mais là, c'est le plus. Alors, plus ça va, alors, c'est de plus en plus technique. C'est pas prévu pour 2024. C'est de plus en plus technique, quoi. Donc, j'ai peur quand même qu'on s'écarte un petit peu de la fonction première des JO, quoi. Pierre Chevalier. C'est dans la mouvance de ces nombreux sports de rue, ouais, urbains, qui posent la question, en se développant, de savoir s'ils doivent être reconnus comme un sport, comme une discipline, et s'ils doivent être reconnus à l'échelon suprême pour devenir olympique. Je ne suis pas sûr que toutes ces disciplines, malgré l'intérêt populaire que ça peut avoir et la progression, justement, dans la popularité, méritent tous leur place aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, il n'y a pas suffisamment de place pour être sport olympique. Là, en l'occurrence, dans cette discipline-là, il y a déjà le BMX, qu'on va appeler course classique, boss, etc., ouais. En ligne, et qui est là très spectaculaire, qui peut, je pense, largement satisfaire tous les amateurs de BMX. Après, maintenant, proposer des figures en flat au JO, je suis pas sûr que c'est vraiment ce dont ce sport est besoin ou cette discipline est besoin. C'est comme quand on parlait du hip-hop ou je sais plus quelle discipline. Justement les JO de 2024. Je pense qu'on est un peu loin, voire très loin des valeurs qu'imaginait Coubertin en créant l'olympisme. Il y a le skate, notamment le surf, l'escalade, hein, et le breakdance qui intégreront les JO 2024. On est vraiment dans une culture urbaine, hein, c'est ce que disait Pierre Chevalier. Sauf le surf, mais surf, c'est moins urbain. Mais c'est moi, je suis pleinement, enfin ouais, je suis complètement contre, même si c'est une discipline du cyclisme. Et alors, les raisons pour lesquelles je suis contre, c'est que si ce type de discipline rentre, il va falloir enlever une discipline au cyclisme, et donc ça va être encore la piste qui va morfler. Selon les dernières rumeurs, ça serait le VTT qui sauterait. Ah voilà, alors donc pour faire sauter le VTT... Car le VTT est considéré comme le sport qui coûte le plus d'argent en termes d'infrastructure, plus qu'un stade.
Et les Français, selon un rapport, les Français marchent très bien en VTT et il n'y a pas de raison de faire sauter le VTT. Et en BMX flat, apparemment. Oui, mais alors après, oui, mais le gros problème qu'il y a sur ces disciplines, pour moi, c'est le côté donc des disciplines artistiques en général, c'est que ben pour pouvoir donner un vainqueur, il faut que ce soit un jury qui s'en occupe. Et donc du coup, on peut avoir les mêmes dérives que l'on a avec la boxe, où ben et voilà. Et donc, ben, on a après le quand on n'est pas spécialiste, on a du mal à apprécier la vraie valeur entre différents adversaires. Et là, ben voilà, quand les juges donnent leurs notes, qui sont souvent notées avec des dixièmes de points, ben, c'est vrai que c'est toujours difficile à apprécier. Et donc, ben voilà, des titres qui peuvent être non sans vraie valeur. Et puis alors après, la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il n'y a aucun intérêt d'intégrer au JO, c'est qu'ils ont déjà les X Games, tous ces sports de rue. Donc ils ont leur place, ils ont leur Mais c'est dans l'air du temps finalement quand on regarde Mathias Dandois par exemple, qui a 223 000 abonnés sur les réseaux sociaux, alors que la Fédération française de cyclisme compte 31 000 abonnés. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas intégrer un Mathias Dandois dans le programme olympique ? Non, il faut que la Fédération française de cyclisme change son acte de communication. Voilà. La grosse différence, elle est là. Parce que, en effet, parce que ça apporte du public. La boîte de, oui, mais la boîte de com qui s'occupe de, qui fait pas son boulot auprès de la Fédé, et voilà, c'est la raison. C'est le résultat est là. C'est comme il n'y a pas d'information, comme il n'y a rien qui n'en découle, il n'y a rien à suivre. Et je vais prendre l'exemple des jeux, des championnats d'Europe d'athlétisme qui auront lieu l'année prochaine à Charletti. Mon fils fait déjà de l'athlétisme, et donc j'ai reçu une invitation pour prendre des places pour l'année prochaine au mois d'août. Quand la Fédération française de cyclisme organise un événement en France, eh bien on n'a jamais l'information. Donc si on n'est pas spécialisé, si on ne va pas chercher l'info, il y a un problème. Donc voilà, et la Fédération française de cyclisme a d'énormes progrès à faire sa com. Le fait de devenir olympique fasse passer l'audience à 1 million de youtubeurs. Hein. Je ne suis pas sûr. Jean, le mot de la fin pour cette thématique. 220 000, c'est en France, c'est bien. Les Jeux olympiques, c'est sur le monde. On passe maintenant à notre page découverte. Dans cette page découverte, une sirène dans les eaux yvelinoises. Et oui, vous avez bien entendu, la plaisiroise Julie Peugeot, 30 ans, baigne dans le mermaiding depuis un an. Une discipline insolite qui allie natation et beauté avec un costume de femme poisson en élastane. Cette discipline requiert une préparation physique. La sportive plonge deux fois par semaine en piscine. On l'écoute. Le mermaiding est un sport. On nous demande des performances en apnée. En général, je suis sur 40 secondes à 1 minute 15, mon record. Vous avez des figures à faire si vous souhaitez. En effet, elles ne sont pas imposées. Mais en effet, il y a des vrilles. On doit aussi également savoir poser sous l'eau, on va dire en mode très statique. En complément, Julie s'entraîne trois fois par semaine sur Terre dans une salle de sport. Ses sessions lui ont permis de se présenter au concours Miss France de la discipline, une épreuve qu'elle a remportée en juillet dernier en Bretagne face à 8 candidates. Je ne m'attendais pas du tout à gagner, pas du tout. J'y étais allée plutôt en mode plutôt défi personnel. Je voulais vivre aussi une expérience avec d'autres sirènes, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on peut rencontrer des sirènes en France. Donc cet événement nous a permis de nous regrouper, de nous partager nos connaissances, nos savoir-faire. Julie espère désormais participer à un concours international de sirènes programmé en Égypte début 2020 avec un objectif. En tête, revenez une nouvelle fois l'écharpe à la maison. La question sur ce thème, que pensez-vous de cette discipline ? On valide ou pas ? Ouais. Genre, je vous vois très motivé. Oui, c'est. Bon, on n'a pas vu grand-chose quand même. De notre côté, on n'a pas vu grand-chose. Je ne connaissais pas. C'était très court. Ça a l'air. À la vue, ça a l'air sympathique. Ça a l'air harmonieux. Je trouve dommage qu'Hélène ne soit pas là aujourd'hui parce que ça se rapproche de la pole dance, mais c'est vrai que là on parle de sport artistique et de sport. Hélène Delagrange, hein, qui est connue comme Zizi. Tout le monde connaît Hélène, chez Mickaël quand même. Je rappelle pour les nouveaux téléspectateurs. Et c'est vrai que quand je vois certaines figures que la demoiselle fait et comme je suis Hélène sur Facebook, je vois certaines similitudes. Et dommage qu'elle ne soit pas là pour en parler. Le reportage a fini en queue de poisson.
Faut pas dire. Génial. Ouais, c'est génial, c'est génial. C'est gracieux et c'est graphique. Donc, je ne connaissais pas du tout cette discipline. Je ne savais pas qu'il y avait un concours de Miss France Sirène. C'est très bien qu'on ait une locale. C'est une locale. Une régionale de l'État. Donc, formidable. Plaise des Rois ça... qui s'entraîne à la piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois, si et... vous voulez vous renseigner. D'accord. Et je pense que ça allie si un ça certain nombre. J'aurais sûrement moins de grâce que cette jeune fille. Je pense que ça allie à un certain nombre de disciplines et d'efforts à faire en termes artistiques, en termes sportifs, l'apnée en plus. Chapeau. Après, une 15, je trouve pas que c'est quelque en chose... En faisant des figures. Ouais, enfin bon, Xavier Delpy qui est un ami... Xavier Delpy qui est un ami à moi, qui fait de l'apnée. Qui est un Yvelinois. Voilà, qui est un Yvelinois aussi, qui fait de l'apnée. Il fait peut-être pas de figure, mais il reste plusieurs minutes, je crois que c'est autour de 6-7, un truc comme ça. Donc on en est quand même très très loin. Et je pense qu'il y a peut-être un peu plus de travail à faire sur qui lui permettrait de pouvoir faire mieux et de faire plus. Après, mais bon, ça allie les deux. Ça allie apnée, voilà, et également beauté, c'est-à-dire figure. Bien sûr. Donc après, qu'elle fasse sa photo ça, en 15 secondes ou qu'elle la fasse en une 15, il n'y a pas d'intérêt. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses sympas à faire. Mais après, en termes d'exploit sportif, la minute 15, ça me laisse pas rêveur. Ouais, sinon, c'est dans une piscine ou dans un bocal ? C'est dans une piscine. D'accord. Un grand bocal. Est-ce que par contre, son rêve, c'est d'intégrer un aquarium. Pour le coup, je n'étais pas loin. Parce qu'il y a des professionnels, des sirènes professionnelles, et notamment à l'aquarium de Paris. Et elle voudrait faire la même chose dans un autre aquarium de France. Voilà. D'accord. Pour donner. Sirène professionnelle. D'accord. C'est un nouveau métier. Est-ce que la rumeur par laquelle il va y avoir en Bretagne une élection de Miss France Thon, ça va pas aller en concurrence avec. Tu as des candidats en tête. Tu as des candidats en tête. On en a pas entendu parler en tout cas. Bon, alors, c'est peut-être une fausse info. Hein. En tout cas, la queue de sirène, c'est une monopalme. Hein, je tiens à le préciser. Oui. Ah oui. Je sais que vous posiez la question. Je me demandais, j'étais en tant que spécialiste. Par contre, il y a Mister Triton, je crois. Mister Triton. Oui. Et ce n'est pas une blague, hein, pour le coup. Mister Triton. Mais c'est de mieux en mieux. Mister Triton. C'est de plus en plus donc beau. Donc si vous voulez vous inscrire. Mister Triton. Et on serait pas mal en 3. On serait pas mal en Mister Triton. Il faut en avoir 3. Il faut en avoir 3. Et pointu. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation aujourd'hui. Focus sur une citation du nageur américain Michael Phelps. Les limites n'existent pas. Plus vous rêverez, plus vous irez loin. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.